projet qui était ouvert aux différents acteurs des filières riz, maraîchage à la carte. Les groupements de ces différentes filières ont postulé et il y a eu des phases de présélection au niveau commun, différentes autres étapes jusqu'à la phase de sélection définitive au niveau, au niveau régional à travers un comité dénommé CRA, qui est le comité régional d'approbation. Donc après toutes ces différentes étapes, il y avait des critères qui étaient bien définis et c'est sur cette base que nous avons présélectionné 173 groupements et entreprises prestataires de services au niveau des différents maillons des filières que j'ai cités plus haut. Chemin faisant, nous avons pu financer exactement 133 micro-projets et projets d'entrepreneuriat agricole. En effet, les labels, autrefois bien sûr CTB, intervient dans le département de la Takora, de la Donga, les autres départements, c'est-à-dire le Mono, le Koufou, depuis de nombreuses années, à travers différents projets de développement dans les secteurs clés, à savoir la santé, l'agriculture, la sécurité alimentaire et autres. Actuellement, oui, actuellement, dans le secteur agricole, le profit occupe une place de choix pour la contribution et la mise en œuvre d'action du gouvernement PAG à travers ses nombreuses réalisations dans ses zones d'intervention. Pour preuve, équipements qui font l'objet de la présente cérémonie dont la valeur est estimée à 250 millions de nos francs ne constituent qu'une partie des différents appuis et profits que je pourrais citer sans être exhaustif. Il s'agit des aménagements hydro-agricoles au profit des producteurs maraîchers et rizicoles, des constructions de magasins, d'ateliers et de transformation et autres, des aires de séchage, équipements divers. Mais je voudrais tout de même inviter les bénéficiaires directs à prendre bien soin de ces investissements dont ils ont la responsabilité. La bonne utilisation sera le gage d'une amélioration de leurs conditions de vie et indirectement de celle de toute la communauté à laquelle ils appartiennent. La cérémonie est une cérémonie qui consacre la remise officielle d'une série d'équipements bénéficiaires de micro-projets et de projets d'entrepreneuriat agricole financés par le programme Profit de promotion des filières de la coopération Vigne-Belge. Cette remise d'équipement illustre évidemment la volonté de cette coopération Vigne-Belge d'œuvrer au développement économique du Bénin et plus particulièrement d'appuyer la bonne mise en œuvre du plan stratégique de développement du secteur agricole avec une attention particulière et un objectif principal qui est d'améliorer et de sécuriser la plus-value économique des exploitations familiales, des entreprises rurales à travers une meilleure intégration formelle dans les chaînes de valeur. Alors pour atteindre cet objectif, comme ça a été dit par mon collègue en introduction, il y a toute une série évidemment d'actions qui sont mises en œuvre par le programme Profit de promotion des filières. Mais un des piliers importants évidemment de ce programme consiste à soutenir les projets portés par les entrepreneurs agricoles. Et donc à cet effet, une ligne de financement a été mise en place pour pouvoir justement soutenir les investissements qui visent à améliorer la productivité et la compétitivité des filières riz, maraîchage et à la carte dans les quatre départements de la Takora, de la Donga, du Mono et du Koufou. Il a noté que ce seul volet du programme Profit concerne à lui seul déjà près de 10 000 bénéficiaires et a permis de générer près d'1,5 milliard de francs CFA de revenus additionnels. En effet, l'Agence belge de développement et label, à travers son programme Agriculture Profit, a décidé d'appuyer les acteurs des filières riz, maraîchage et anacarde dans leur processus de professionnalisation, ce qui est en phase avec le programme d'action du gouvernement du président Talon, président de la République du Bénin. Dans ce cadre, plusieurs porteurs de projets ont bénéficié des appuis tant techniques que matériels.
La cérémonie de ce jour vient encore une fois corroborer l'ancrage de Enabel dans la réalisation des objectifs de développement du Bénin. Les porteurs de projets ici présents vont en effet recevoir un lot d'équipements et de matériel dans le cadre de la réalisation de leurs micro-projets et projets d'entrepreneuriat agricole, ce qui va fortement contribuer à l'amélioration de leurs performances, à la pérennisation de leur activité et à l'atteinte des objectifs du PAG. De manière indirecte, beaucoup de producteurs de la Takora et de la Donga seront fortement impactés par ce lot d'équipements. Au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je voudrais particulièrement remercier Enabel, partenaire traditionnel du Bénin, pour ce que Enabel fait pour notre pays dans le cadre de la coopération bénino-belge. Toujours au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, empêché, et en mon nom propre, je tiens à remercier les bénéficiaires car ils l'ont mérité et je leur recommande d'en faire un bon usage. C'est pourquoi les services déconcentrés du MAEP, notamment les DDAEP et les ATDA, ne ménageront aucun effort pour contribuer à la réussite de ces différents projets. C'est sur ces mots d'engagement au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et partant du gouvernement béninois et des populations bénéficiaires que je voudrais recevoir officiellement ce jour, jeudi 21 février 2019, le lot d'équipements constitué de 5 tracteurs de 72 chevaux plus accessoires, 21 batteuses vanneuses de riz, 3 batteuses épieureuses de riz, 67 charrues pour culture attelée, 37 charrettes à traction assine, 9 décortiqueuses vanneuses de noix d'anacarde installées sur table, offertes par le Royaume de Belgique au Bénin. C'est un honneur pour nous d'être retenus au terme de ce processus de sélection et de voir aujourd'hui, après plusieurs mois d'attente, nos matériels et équipements qui nous seront remis tout à l'heure. Au nom des bénéficiaires de cet appui et en mon nom propre, je tiens à remercier sincèrement Enabel et le gouvernement bénin pour ce combat de développement en général et surtout la valorisation de tous, de nous les femmes en particulier. Nous vous promettons d'en faire bon usage et de faire de cet appui un levier dans l'émergence de véritables entreprises agricoles dans notre région et sans aucun doute contribuer à la promotion et au développement des filières agricoles au Bénin. Merci. Voilà, c'est ton concert. Voilà. À la suite, nous avons les batteuses vanneuses. Donc ça permet de réduire la pénibilité du travail chez les producteurs et d'améliorer la qualité de riz. Ouais. Ça bat le riz, ça le bat. C'est pour éviter qu'il y ait des corps étrangers qui rentrent dans la dépositaire pour gâter les tamis, gâter, endommager la machine. Donc lui, il a pour rôle vraiment de rendre le palier très propre avant de passer à la machine. Ces charrettes-là, on permet d'amener les récoltes à la maison pour le bonheur de la famille et de nos exploitations familiales. Ici, nous avons des décortiqueuses manuelles de noix qui permettent d'ajouter de la valeur ajoutée au vin de la carte. Et c'est très pratique. C'est très pratique. L'acier, c'est des lames d'acier qui ne suffisent pas. Vous voyez ? Il y a plus le métier.